Aujourd'hui, c'est une grande chance pour les enfants de l'Éperon, les petits footballeurs et footballeuses de l'Éperon, de recevoir Ludovic Ajorc ici à Saint-Paul sur le terrain de l'Éperon, où il a fait son premier match en tant qu'adulte sur ce terrain de l'Éperon. Donc c'est vraiment un retour. On voit toute cette progression en tant que professionnel aujourd'hui et qui tutoie le sommet du championnat de France de football. Donc, pour les enfants, c'est un moment important de pouvoir partager avec ce grand professionnel, avec des valeurs importantes et qui, avec l'association Mille Sourires, qui essaye de, cette association saint-pauloise, qui essaye de montrer aux enfants que les réussites sont possibles avec des pilotes de chasse, avec ces footballeurs qui tutoient les sommets, que même si on vient d'un quartier défavorisé, eh ben, demain on peut progresser, demain on peut aller vers les étoiles. Et c'est un bel exemple. Et je remercie encore mille fois Ludovic Ajorc d'avoir pris du temps pour venir voir ses petits-enfants ici dans le quartier de l'Éperon. Aujourd'hui, sur le stade de l'Éperon, je me remercie l'association Mille Sourires. Là, on va ramener M. Ludovic Ajorc ici pour nos jeunes, pour nous, tous nos licenciés ici. C'est un grand merci à l'association Mille Sourires et puis Noël Ajorc. Et moi, aujourd'hui, on a fait un petit atelier pour, juste devant le but, c'est pour la finition. La finition devant le but pour normal les attaquants et tout. Et donc, moi, je suis content, surtout pour l'Éperon aussi, l'association football de l'Éperon. D'avoir emmené les marmailles, mobiliser tous les marmailles. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, premièrement. Mobiliser tous les marmailles, tout le marmaille est présent, surtout les parents. Et c'est important. Et ils ont aussi mis sourires. Donc, il y a écrit mon nom en dessous. Moi, les marraines de Mille Sourires, et m'est très content d'être encore là aujourd'hui pour cette nouvelle opération sur le stade de l'Éperon pour un very important marmaille dans le cadre de football. Et elle est super heureuse aussi d'accueillir un nouveau parrain pour l'association, Ludovic Ajorc. Donc, belle journée, il fait beau, les parents répondent présents, les bénévoles sont là, un footballeur est là, les équipes sont là, enfin, mais vraiment très contente. Et il faut qu'ils continuent comme ça. Il faut nous continuer à donner du rêve aux marmailles. Ludovic, il est venu jouer avec nous et il nous a appris à faire des passes et des tirs. Et ce matin, on a le joueur professionnel de Strasbourg, attaquant de la Nicitan à l'Éperon pour la première fois. Et c'était super de voir aller, parce que c'est un grand moment quand même. Les rares qu'il vient ici. Et nous a fait de petites activités avec lui. Alors, c'est Ludovic de Strasbourg que la Nicitan aujourd'hui. Et nous l'a pu jouer un peu avec lui. Et même, t'es content, il fait plaisir. Et puis, en plus, on avait Alicine à moi, ta compagne. Il fait plaisir. Et là, nous a joué un match. Ouais, alors j'ai rencontré un des parrains déjà, Jérémy Moret, qui m'a proposé de faire partie de cette association. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs fois aussi M. Ingard sur Strasbourg. On a pu discuter et faire en sorte de faire une opération aujourd'hui et d'être aussi le parrain officiel de l'association. Et je suis très fier de faire partie de cette association. Je voulais faire quelque chose sur l'île de La Réunion et c'est vrai que dès que l'association Mille Sourires m'a contacté, j'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite. Et aujourd'hui, je suis très content de faire partie de cette association.
Alors aujourd'hui, c'est la 276e opération de l'association Mille Sourires. Nous sommes très heureux puisqu'il y a à peine un mois, on a eu le bonheur à Mille Sourires d'accueillir le magicien venu de métropole, M. Michel Fache, pour les Marmailles. Et aujourd'hui, un tout autre décor, un tout autre domaine, le football. Le football à Mille Sourires, c'est une longue histoire avec nos parrains précédents, Fabrice Abriel, Jérémy Morel. Donc nous avons toujours pu organiser de belles opérations pour les enfants qui font du foot. Et là aujourd'hui, donc, nous sommes au stade de l'Éperon, où nous avons le bonheur d'accueillir Ludovic Ajorg du Racing Club de Strasbourg, qui s'engage à nos côtés dans la team Mille Sourires, des parrains de Mille Sourires, aux côtés de Sébastien Nativel, le pilote de Rafale, et nos parrains locaux, Marie-Alice Sinamant et Thierry Jardineau. Alors ce matin, nous savons que les enfants qui font du foot, c'est leur rêve de rencontrer en vrai, comme ils le disent, un joueur de foot, ou alors d'échanger sur le terrain avec un joueur de foot. Et depuis 2009, c'est une tradition, nous essayons de pérenniser cette action Foot en Vim. Alors foot, very important Marmaille, le but c'est pas d'avoir beaucoup d'enfants, mais peu d'enfants qui vivent un moment de rêve avec le joueur de Ligue 1. Et donc de nombreux joueurs sont venus depuis 2009 participer à cette opération. Et aujourd'hui donc, nous avons le bonheur d'accueillir Ludovic Ajorg. Et je remercie notre marraine, Marie-Alice Sinamant, qui a bien voulu être à ses côtés pour son baptême. Et également, nous sommes à Saint-Paul, monsieur le maire de Saint-Paul qui nous accueille sur le site, et toute l'équipe de monsieur David Bicler de la JSF Éperon. Et c'est ainsi qu'une centaine de petits footballeurs, ce matin, ont passé une matinée avec Ludovic. Alors, bien entendu, Ludovic rejoint le club des parrains, après Fabrice Abriel qui depuis 2011 était avec nous depuis qu'il était à l'Olympique de Marseille, après Jérémy Morel également qui est toujours, donc sont des parrains qui sont très actifs et qui sont toujours avec nous. Et donc avec ces parrains là, nous avons eu au cours des années précédentes la possibilité d'organiser de belles actions avec les clubs de l'Olympique de Marseille, avec les clubs de l'Olympique Lyonnais, du Paris Saint-Germain, etc. Donc on a pu faire beaucoup d'actions avec emmener des enfants de La Réunion à travers ses parrains, à la rencontre des clubs de football métropolitain. Et nous espérons qu'avec Ludovic, avec le RC Strasbourg, ce sont des passerelles qui s'ouvriront pour réaliser des rêves d'autres enfants réunionnais.